commencer ce tuto, j'applique le fameux All Nighter de chez Urban Decay en teinte la plus claire. Et si vous avez un fond de teint un peu plus clair, voire beaucoup plus clair que votre carnation, je vous conseille même de l'appliquer sur votre peau pour pouvoir ajouter cette dimension morbide. Mais moi, j'ai travaillé avec les outils dont je disposais à la maison, évidemment. Puis avec notre Layliner, on va tracer un trait bien courbé sous l'œil, tout en ajoutant le nombre de traits que l'on souhaite aux côtés de la première courbe que l'on a réalisée, et on va prolonger ces lignes de toile d'araignée en traçant le même nombre de traits au-dessus des sourcils. Vous pouvez le faire aussi dans les paupières, mais moi j'ai préféré faire ce choix là. Et l'étape cruciale qui va nous permettre de faire apparaître une toile d'araignée, c'est évidemment de tracer des courbes tournées vers le bas pour la partie du bas et des courbes vers le haut pour l'autre partie, vous l'aurez bien compris. Ensuite, on passe à la partie la plus simple à réaliser, je dirais. Donc on prend du fard à paupières noir que l'on place juste en dessous du sourcil, et j'ai choisi de mettre du fard à paupières blanc sur ma paupière mobile parce que ça ajoutait encore ce côté malade, je dirais, du maquillage, je trouve. Mais après, vous pouvez également appliquer du fard à paupières noir sur toute la partie mobile. Puis je viens remplir les trous entre guillemets de ma toile d'araignée, mais j'ai choisi de ne pas tout combler pour cette partie là parce que je trouvais que ça donnait un effet ombre qui me plaisait pas mal. Et je rajoute alors du fard à paupières noir juste en dessous de l'œil, toujours pour ajouter cette dimension lugubre au maquillage. On passe maintenant aux lèvres, et là il suffit juste de prendre son eyeliner et de suivre le contour de ses lèvres, et je vous conseille de bien vous appliquer parce que cette partie là n'est pas très évidente, mais en faisant bien attention on y arrive, hein. Puis on prolonge son trait d'eyeliner sur les côtés pour donner cet effet de bouche clownesque, et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai bien insisté sur les coins des lèvres pour vraiment toujours donner cette dimension démoniaque, et je retravaille bien sûr mes traits pour que ça devienne au final le résultat le plus propre possible. Après, on va tout simplement mettre du rouge à lèvres rouge, donc je suppose que toutes les filles en ont au moins un de cette couleur chez elles quand même, hein. Puis on s'amuse à reproduire les cicatrices de la bouche, et pour la partie du milieu évidemment, gardez bien la bouche fermée car ça facilitera le tracé et donnera cette continuité que l'on essaye de reproduire. Enfin, ça peut peut-être vous paraître logique, mais je préfère vous le dire parce que moi quand j'ai commencé à faire les cicatrices, j'avais pas la bouche fermée et donc ça posait problème. Puis toujours pour rajouter une dimension morbide vraiment écœurante, et ben on va carrément aller se mettre du fard à paupières sur les lèvres, et vous inquiétez pas, ça tient très bien, je l'ai testé, donc sauf si vous souhaitez embrasser votre copain, mais bon, vu la tête que vous aurez, je pense pas qu'il aura envie de vous faire un petit bisou, hein. Et donc après, je tapote en dessous de l'endroit où j'ai mis la partie principale du fard à paupières noire, donc je fais pareil pour la lèvre supérieure, comme ça, ça fait vraiment un petit effet dégradé que j'aime bien. L'avant-dernière étape, la plus importante bien sûr, c'est de tracer le fil où sa petite araignée va tomber, et l'araignée elle-même bien sûr, donc on forme tout simplement un cercle. Après on fait la petite étape du coloriage, mais je vous ne conseillerais pas de le faire au même endroit que moi car j'ai trop galéré pour le faire, et en plus de cela je devais me filmer, donc vous imaginez pas à quel point j'ai galéré, mais bon bref. Donc l'idéal je pense que ce serait plutôt de mettre la petite araignée plus proche du nez quand même. Puis pour finir sur celle-ci, en plus la fille qui dessine une araignée et qui est arachnophobe, mais bon bref, tout va bien dans ma tête mais bon bref, pour finir sur cette petite araignée, donc on dessine les pattes. Je les ai faites assez épaisses personnellement par rapport au début des pattes, puis après j'ai décidé de tracer le bout de celle-ci de façon plus fine. Vous pouvez même vous amuser à faire ces deux pattes de devant beaucoup plus longues, plus fines et tombantes du coup, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas moi j'aurais bien aimé le faire, mais bon comme je galérais à mort déjà pour me filmer et que je voyais même pas ce que j'étais en train de faire j'ai pas réellement pu trop le faire, mais je vous conseillerais de réaliser ça, enfin ce serait peut-être pas trop mal, pourquoi pas, enfin dites-moi dans les commentaires en fait ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Ensuite, pour accentuer le côté démoniaque du maquillage, donc je mets du eyeliner à l'intérieur de mon œil, j'en mets également au-dessus, enfin au-dessus de l'œil encore ça va, mais à l'intérieur faites vraiment très très attention parce que c'est vraiment une entreprise vraiment délicate à réaliser, donc je vous conseille vraiment de faire gaffe, d'autant plus qu'après je vais rajouter du colle noir dans la muqueuse supérieure de mon œil. Donc je vous dis franchement, si, enfin je sais pas ceux qui regardent mes vidéos quel âge vous avez, mais vraiment faites
très très attention s'il vous plaît quand vous réalisez cette étape, parce que c'est vraiment pas évident du tout et on peut vite se faire très mal. Ensuite, perso, j'ai choisi de mettre du mascara pour garder un petit côté girly quand même. Et enfin, avant-dernière partie, mais pas des moindres, donc je travaille mon fard à paupières noir sur les côtés de mon nez pour donner un effet sale. Donc on n'a pas envie de reproduire un maquillage vraiment qui fait trop glamour ou un peu trop, enfin, parfait entre guillemets. Je voulais vraiment donner cet effet sale dégoûtant. Et j'hésite pas d'ailleurs à en passer, enfin du fard à paupières noir, à en passer sur mes sourcils pour donner encore plus cet effet sinistre, parce qu'avec un crayon à sourcils, ça donnerait un effet beaucoup moins intense. Et l'étape finale pour le maquillage, hein, bien sûr, c'est l'effet saignement. Donc perso, j'ai trouvé ce produit chez Claire's. Tous les liens des produits seront dans la barre d'infos comme d'habitude, hein, vous inquiétez pas. Et vous allez voir d'ailleurs que quand le sang sèche, ça devient beaucoup plus foncé que quand on l'applique directement. Pour finir, au niveau de la coiffure, j'ai fait exprès de faire une coupe complètement déjantée, complètement loufoque, parce que je voulais vraiment donner cet effet de petite fille qui s'échappe de l'asile psychiatrique. Oui, tout va bien dans ma tête, hein, mais bon bref, c'est Halloween, hein, crotte. Sauf que avec deux couettes, enfin au départ, ouais, je voulais faire deux couettes, mais je me rendais compte que ça donnait un effet trop Harley Quinn, donc j'ai choisi d'en mettre qu'une, et puis je trouve que ça ajoute encore une dimension encore plus folle dingue, en fait, quand on se fait seulement une seule couette plutôt que deux. Et pour l'accessoire, bah, j'ai opté pour un petit nœud, donc que j'ai eu toujours chez Claire's, pour vraiment donner cet effet de petite fille, enfin vraiment la petite fille folle dingue, un peu à la Esther, vous voyez, enfin bon, c'est pas du tout la même coupe de cheveux, mais bref, moi je voulais vraiment faire un truc propre à moi. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. J'espère que ce maquillage vous plaît. Alors évidemment, c'est un truc totalement débutant, je suis très loin de savoir faire des effets spéciaux de malade en maquillage, enfin moi je n'y connais absolument rien. Je voulais vraiment faire un truc de base, un truc vraiment simple. Donc voilà les amis, donc en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très joyeuse fête d'Halloween et je vous dis à bientôt sur YouTube. Bye bye.